Bienvenue à tous, c'est Dating TV que vous regardez, la première chaîne des célibataires de France, le seul programme audiovisuel qui vous conseille, qui vous coach et qui vous fait des présentations avec nos centaines de petites annonces vidéo de célibataires, des annonces rencontres bien sûr, quand vous le souhaitez sur datingtv.tv, également sur l'application iPhone et Android Dating TV et évidemment sur votre chaîne préférée. Nous avons à nos côtés la journaliste culinaire que nous avons ici sur Dating TV, c'est bien sûr Karen Guirchoun. Bonjour Karen. Bonjour. Comment Hello ça va tout le monde. Ça va très très bien. Hello à toi toute seule, j'ai envie de dire. Oh, ça, ouais. Oui, c'est ça le célibat. C'est ça. C'est le célibat. Bah, c'est Dating TV en même temps, voilà, c'est comme ça. Exactement. Mais on peut être célibataire et on peut également prendre se faire plaisir. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi et se faire plaisir au niveau culinaire. Et on dit souvent, bah, voilà, la mauvaise bouffe, c'est ce qu'on met au micro-ondes, c'est la bouffe surgelée, micro-ondes, micro-ondes. Mais non, avec toi, on va découvrir qu'on peut faire quelque chose de sympa. Exactement. Au micro-ondes. On va voir qu'en général, quand on est célibataire, quand on a une petite chambre, on n'a pas toujours l'arrivée gaz ou simplement une plaque. On a souvent, par contre, un micro-ondes, puisqu'on se nourrit souvent de réchauffé. Ouais. Donc là, on va faire de la préparation, de la vraie préparation pour nous. Et on va prendre un filet de saumon, un teriyaki de saumon. Un teriyaki de saumon. On va s'appeler japonaisante ce soir. Ah, c'est du japonais, c'était du grec. C'est du jap. Non, du jap. C'est du jap. Alors voilà, on va vous demander toujours d'avoir quelques épices sous la main parce qu'elles sont intemporelles en fait. Hein. Tu aimes bien les épices, toi, on oui, le sait. Bah, c'est ce qui donne du goût. Oui. C'est ce qui donne du goût, surtout avec un micro-ondes. Hein. C'est une cuisson assez spé, donc on va prendre nos épices. Alors, on récupère de l'huile de sésame, graines de sésame, soja et sucre. Miel, si vous en avez, c'est le petit plus. Donc, il n'y a pas de sucré du tout. C'est sucré. Soja, miel, sucre. Oui, miel et sucre, parce qu'en fin de compte, le miel va faire un petit peu une sauce liquoreuse, mais le sucre va faire une caramélisation et un petit effet crunchy, même au micro-ondes. D'accord. Donc, il vous faut un bol, tout simplement, un micro-ondes et un pavé de saumon. Ouais. Donc, dans votre bol, vous allez mettre 2 cuillères à soupe d'huile. Toute simple. Hein. N'importe laquelle. Oui, un filet de jus de citron. Donc vous prenez vos citrons, juste vous pressez quelques gouttes. Mmh. Note 2 cuillères à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de sucre, ou l'inverse si vous n'avez pas trop de miel en fait, hein, une petite dosette. Ouais. Et nos épices, enfin c'est genre la graine de sésame qu'on va garder pour la fin pour le petit effet crunchy, pour juste avant de servir. Pour garder le petit effet croquant, voilà. Pour justement enlever. Donc on va malaxer en fait notre pavé de saumon avec cette sauce. On n'hésite pas à mettre les doigts. Hein. C'est un peu gluant, c'est pas un aspect. On le découpe alors en fait. On va le laisser en pavé. On laisse en pavé, mais on va le masser. On fait un petit massage au petit saumon. Voilà, un petit massage. Tu es bien dans l'ambiance Dating TV, j'ai compris. Exactement. On va mettre ça au fond d'un petit plat, au fond même d'une assiette tout simplement, et on va le couvrir de film étirable, l'étirable. Ouais. D'accord. Une fois que c'est bien couvert et bien hermétique de tous les côtés, on va le mettre 3 minutes 30 au micro-ondes. Je parle d'un 900 watts, donc à peu près 4 minutes sur un 700 classique. Ouais. D'accord. Au bout de 3 minutes, il est fondant, donc c'est-à-dire il est cuit et à cœur un petit peu rosé, comme il est servi habituellement dans tous les japonais. Ouais. D'accord. On peut rajouter une petite minute si on l'aime bien cuit. Moi, je le préfère rosé, vraiment à la japonisante. J'aime bien moi aussi rosé. Voilà, c'est notre côté japonais, hein, parce que c'est ça. Bien sûr. Du sud. Voilà, japonais vraiment du sud. Oui, alors, c'est voilà. Donc, fondant à cœur, on peut le servir avec un riz blanc. Maintenant, il existe justement des riz micro-ondables. Donc, c'est un petit sachet de riz. Toutes les marques le font. Hein. Mmh. On entrouvre le petit sachet de riz. C'est 1 minute 30 au micro-ondes et on sert ça à côté, tout simplement. Donc, on reste avec juste un micro-ondes et on peut se faire un repas déjà très équilibré. Mmh. On rajoute nos petites graines de sésame pour un petit côté exotique et croustillant. Mmh. Et on a un repas fait au micro-ondes. Moi, je vais vous dire un petit plus. Il est très bon. Le petit plus. Attention, le petit plus de Karen. Parce que moi, il m'est arrivé quelque chose, c'est de ne plus avoir de micro-ondes. Oui. Et d'avoir un lave-vaisselle. Ah non. Si. Tu vas pas me dire que tu as mis ton assiette au lave-vaisselle. Alors attendez. Non, pire. J'ai fait pire. Oui. Je l'ai laissé dans son petit, vous savez, la poche individuelle dans laquelle vous achetez votre fameux pavé de saumon congelé là. Oui, qui est plastifié. Et je l'ai fait cuire dans le lave-vaisselle. Oh, bon, j'ai laissé comme ça tel quel. Ah oui. J'ai mis mon pavé avec ma vaisselle à laver. Tu as fait un cycle lavage normal. J'ai fait un cycle économique. Et 25 tu as nettoyé minutes. Ton assiette et tu as cuit ton poisson. Et mon poisson, il était cuit à la vapeur, cuit dans son jus en même temps. Ouais. Il était cuit à la perfection. Il n'y avait rien qui dépassait, rien qui avait coulé, aucune odeur qui s'était propagée, je veux dire. Et il était superbement cuit. Mais de toute façon, ça reste propre, puisqu'après, le plastique est très hermétique, très dur. Hein. Très épais. Donc voilà, très épais. On l'ouvre et voilà. Il a cuit à l'étouffer, pour le dire. C'est bien, oui, tout à fait. Mais excellent. Donc voilà, il faut prendre soin de soi. D'accord. Ok,
reste... Bon. Donc, en tout cas, c'est vraiment le système D. Si on n'a pas le four ou toute la cuisine qui va avec, on peut, si on a un micro-ondes, sinon son lave-vaisselle. Voilà. Et peut-être, je sais pas, un vieux radiateur, vous le mettez dessus, ça marchera aussi. Je prépare une émission sur la bouilloire. Voilà, la bouilloire, exactement. Il manquait la bouilloire. Voilà. Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Ah, voilà, les grandes surfaces électroménagères ne l'aiment pas, puisque avec rien, on peut cuisiner quand même. Mais nous, ça nous arrange, parce que parfois, célibataire, on a une petite chambre de bonne, on n'a pas beaucoup de choses. Voilà, même chambre donc, d'étudiant. Exactement. On peut exactement. Merci Karen. Je vous en prie. À très bientôt. Bon appétit à tous qui nous regardaient. Bon micro-ondes, bon sèche-linge, sèche-cheveux, ce que vous voulez. Et prenez soin de vous. Exactement. La vie est trop courte. Et de votre poisson. Allez, à bientôt. Salut. À bientôt.